Bonsoir. Bien le bonsoir et bienvenue donc à notre espace de psychanalyse pour tous. Bienvenue, je vous laisse arriver. Saïda, bonjour. Donc vous allez bien? Elmoussine, bonsoir. Stéphanie, bonsoir. Valérie, bonsoir. Claudette, bonsoir. Saïda. Et oui, Michel, bonsoir. Donc, comme vous le savez pratiquement tous, Camille, Martine, bonsoir. Smilik. Nadia, bonsoir. Sylvia, bonsoir. Donc, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero. Et Edouard, bonjour. Donc, nous allons voir, Saïda, si ça va être. Ne nous précipitons pas, nous allons voir si ça va être une belle rencontre. Olivier, bonsoir. Martine, de Dordogne. Éléonore, bonsoir. Nawal, bonsoir. Donc, dans cet espace de psychanalyse pour tous, donc aujourd'hui, nous allons voir, ou nous proposons de faire une première approche sur la formation des symptômes dans les névroses. Antonio, bonsoir. Socia, bonsoir. Samet. Bonsoir, vous allez bien? En forme. Donc aujourd'hui, on va voir un sujet et on va voir ce sujet d'une manière un petit peu plus technique que d'habitude. Lise, bonsoir. C'est-à-dire que nous allons voir ces mécanismes. Anne, bonsoir. Pascal, bonsoir. Ces mécanismes qui interviennent, Marie-Thérèse, dans la formation des symptômes. Nathalie, bonsoir. Katia, bonjour. Michael, bonsoir. Donc, nous allons voir ces mécanismes qui interviennent dans la formation des symptômes. C'est-à-dire que nous allons voir ce qui se passe dans l'appareil psychique. C'est-à-dire que nous allons nous éloigner un petit peu de la réalité. Laetitia, Cindy, bonsoir. Nous allons un petit peu nous éloigner de la réalité et pour découvrir ou pour continuer à découvrir d'une certaine manière l'anatomie de notre appareil psychique et son fonctionnement. Alexandra, Anne-Françoise, bonsoir. Pour voir Éléonore. Karima, bonsoir, pour voir un petit peu ce qui se passe donc dans cet appareil psychique quand dans la conscience apparaît ce qu'on appelle les symptômes. Carole, bonsoir, David, bonsoir, Imadus, bonsoir, Dani, bonsoir, Elisabeth, donc Daniel, Sabine, donc ce soir vous êtes nombreux à Véro. Donc nous allons voir. Donc je répète, c'est un cours un petit peu plus abstrait que d'habitude, puisque Karim, bonsoir, Nidal, bonsoir. Donc ici, ce dont il va s'agir, donc pour ce soir, c'est de voir un petit peu les mécanismes qui interviennent, les mécanismes psychiques. Donc les mécanismes de l'appareil psychique, les mécanismes qui interviennent dans la formation des symptômes. Donc on va voir que ces mécanismes qui interviennent dans la formation des symptômes, donc dans la formation des symptômes par exemple de l'hystérie ou de la névrose obsessionnelle, sont, comme on a déjà eu l'occasion de le souligner, sont les mêmes mécanismes. Bonsoir René, Mocran, bonsoir, Faïssa, bonsoir. Ce sont les mêmes mécanismes qui interviennent. Bonsoir Isabelle, dans la production des phénomènes oniriques. C'est-à-dire qu'il va y avoir les mêmes choses qui sont en jeu pour produire un symptôme que pour produire un rêve, que pour produire un lapsus, un oubli. Ça, ce sont les mêmes mécanismes et on va voir donc de quoi il s'agit.
Et parce que face à Jean-Loup, bonsoir, Slaïdine, bonsoir, donc face à un Olivier, bonsoir, face à un symptôme, nous savons que Armando, bonsoir, face à un symptôme, obligatoirement, il y a une participation des processus inconscients. Et c'est-à-dire que on vient dire ça pour souligner l'importance en sachant qu'il n'y a aucun processus conscient qui ait la capacité de produire un symptôme, que tous les symptômes sont le résultat d'une production de mécanismes, d'un travail psychique qui va produire dans la conscience donc un phénomène Néléa, bonsoir, un phénomène inhabituel et qu'on va considérer comme symptôme dans le sens où c'est quelque chose où le sujet va, Fabienne, bonsoir, va s'éloigner de la réalité. Donc, par exemple, on va parler de la répression et donc on va parler de la répression comme un mécanisme inconscient. Donc, il y a, Viviane, bonsoir, donc il peut y avoir des tendances chez le sujet à réprimer de façon consciente. Donc, ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est cette répression qui a lieu de façon inconsciente. Inconsciente, ça veut dire sans que le sujet sache que cette répression ben, est en jeu. Sinon, qu'il va le savoir, puisqu'il y a comme conséquence dans la conscience donc, certains effets. Donc, ni les rêves, ni les symptômes ne tombent du ciel. Ni, c'est-à-dire que ce n'est pas une production qui vient du hasard, qui ne vient pas ni de la fatigue, ni de parce que je suis distraite, ni même par de façon héréditaire. Et en plus, c'est quelque chose qui est très important, et que les symptômes ne sont pas simulés. C'est-à-dire qu'on doit toujours écouter les patients en considérant que le symptôme qu'ils nous présentent, c'est un véritable symptôme, même si on ne le comprend pas, même si on ne peut pas l'expliquer, c'est un symptôme. Après, il faudra pouvoir répression ou inhibition. Donc, mais là, on va parler du mécanisme de la répression, hein, principalement. L'inhibition, c'est un autre type de mécanisme, exactement, c'est un mécanisme aussi inconscient. Mais on va dire qu'il va, la différence entre la répression et l'inhibition, c'est que l'inhibition, elle va empêcher la fonction. Non, l'inhibition, elle va toucher la fonction et non pas l'articulation, l'articulation, on va dire. Donc, depuis le concept d'inconscient, parce qu'avant le concept d'inconscient, bon, on pouvait dire c'est parce que je suis fatiguée que j'ai oublié quelque chose, c'est parce que je suis distraite que j'ai oublié quelque chose, ou j'ai tel symptôme ou tel autre parce que mon père, parce que ma mère. Mais depuis la production du concept d'inconscient, nous savons que ce n'est pas ce genre de choses qui sont en jeu dans la production des symptômes, ni dans la production des rêves, ni dans les actes manqués, bonsoir Delphine, Imadus, bonsoir, c'est-à-dire refoulement. Oui, donc on va dire répression, nous ici on dit répression, parce qu'il y a cette répression primordiale qui va donc avoir lieu pour la production de l'appareil. Hein? C'est-à-dire qu'il y a toujours pour la production de l'appareil, c'est-à-dire pour la production de l'inconscient, du préconscient et de la conscience. Donc, à partir du Malika, bonjour, à partir de la production de l'inconscient, les rêves, les actes manqués, les oublis, les lapsus, ben, tout ça, les symptômes, tout ça ont un sens. Pour la psychanalyse, c'est quelque chose où la psychanalyse va pouvoir, après interprétation, donner un sens à ces phénomènes. Donc, tout comme les idées obsessionnelles, les phobies, les paralysies hystériques, par exemple, et les symptômes névrosés en général, non? C'est-à-dire que tout ça, ils peuvent être interprétés. Et être interprété, ça veut dire, d'une certaine façon, désarticuler l'articulation qu'il y avait, d'une certaine façon, puisqu'il y a la production, l'interprétation, c'est la production de quelque chose de nouveau dans l'appareil qui va provoquer une nouvelle organisation dans l'appareil. Donc, même si les symptômes donc, sont une production de l'inconscient, sont le résultat d'un travail inconscient,
Et les symptômes sont, eux, conscients. Hein? C'est-à-dire que les symptômes ne sont pas inconscients. Ils sont les effets, ce sont des effets, des ramifications, des manifestations de processus inconscients. Donc, en fait, ce sont des mécanismes qui vont avoir lieu dans l'inconscient pour arriver à se développer et à passer et arriver à la conscience. D'accord? Pour qu'ils vont se manifester dans la conscience. Donc, ça m'a dit que ce sont les blessures de l'enfance et on va voir que non, que ce n'est pas en relation avec les blessures de l'enfance. En tout cas, Hakim, bonjour. Donc, en tout cas, pas avec la lecture psychanalytique. La lecture psychanalytique, Véronique, bonsoir. Non, à partir de Freud, nous savons que nous ne sommes pas surdéterminés par ce que nous avons vécu dans l'enfance, sinon que nous sommes surdéterminés par notre développement d'être humain, effectivement, mais que tout cet appareil, il est surdéterminé par notre futur. Il est surdéterminé par notre futur. Yves-Lise, bonsoir. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit de processus psychiques qui devraient pouvoir se développer et arriver dans la réalité matérielle et pouvoir se réaliser dans la réalité matérielle. Mais en fait, il y a des obstacles, des choses qui viennent perturber ce mécanisme, qui vont interrompre leur cours et qui vont les obliger, d'une certaine façon, à se maintenir inconscient. Et donc, c'est-à-dire que le symptôme, il va se positionner, ce symptôme, il va se positionner en substitution, il va remplacer un autre type de satisfaction. Donc, le symptôme, c'est la réalisation aussi donc d'un travail, comme pourrait l'être la réalisation d'un désir, mais au lieu de réaliser ce désir, on va réaliser un symptôme qui vient remplacer la réalisation de ce désir, puisque qui n'a pas ce désir qui n'a pas pu se manifester dans la conscience, et donc à la place, nous allons avoir un symptôme. Faoucia, bonsoir. Sandra, bonsoir. Donc c'est parce qu'il y a eu donc des obstacles, et on va voir un petit peu. Donc le symptôme, c'est un Dorian, il vient, il remplace, le futur ne s'inscrit pas en lien avec l'histoire du sujet. Quelle histoire? Quelle histoire? Donc on va voir, c'est l'histoire, non, qui va être racontée par le patient, non? Donc dans notre psychisme, il y a un inconscient familial, il y a pas exactement un inconscient familial, sinon que dans notre psychique, effectivement, il y a une instance qu'on appelle le surmoi, une instance, non, qui s'est appropriée les ou qui s'est constituée grâce à ces figures parentales, non, ces figures parentales et en fait face au surmoi des figures parentales. Donc c'est quelque chose qui est complexe, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, il ne s'agit pas de la réalité ou de ce qu'on a pu voir chez papa et chez maman, sinon que c'est quelque chose d'inconscient. Et on ne sait pas non plus exactement, tant qu'on n'est pas passé par une analyse, on ne sait pas exactement de quoi est fait notre surmoi. Mais avec la théorie, on va pouvoir, de façon générale, voir un peu de quoi il s'agit. Donc, on disait donc que le symptôme va remplacer va remplacer ce processus qui aurait dû avoir lieu. Patricia, bonsoir. Ce processus qui aurait dû avoir lieu, en fait, il va être remplacé par un symptôme. Donc, c'est-à-dire que les symptômes sont considérés, Vanille, dans ce sens. Donc, le symptôme, en fait, il va être considéré comme une transaction. Une transaction, c'est-à-dire que là où devrait y avoir réalisation d'un désir, au lieu, bonsoir Sylvie, au lieu d'avoir réalisation d'un désir, il va y avoir donc autre chose. Non, c'est un processus, donc je répète, psychique inconscient qui obtient donc son accès à la conscience seulement s'il y a, Marie-Claire, bonsoir, seulement s'il y a déformation. Et une déformation telle
qui, une fois qu'il est dans la conscience, on ne peut pas reconnaître d'où il vient. On ne peut pas reconnaître par rapport au phénomène au phénomène de la, au phénomène de symptomatique qui apparaît dans la vie du sujet. On ne peut pas savoir, rien qu'avec le phénomène, ce qu'il cache. C'est qu'il va falloir, dans tous les cas, écouter le patient pour petit à petit découvrir ou voir s'il y a la possibilité d'interpréter pour savoir ce qui se cache derrière Rosalys, bonsoir du Québec. Donc il y a toujours une répression si la progression est paralysée ou freinée par un trouble lié. Donc ce n'est pas un trouble qui est lié à l'enfance, non? Sinon que c'est un trouble, justement, on va voir, puisque c'est un désir qui ne peut pas être réalisé. Donc on va voir, regardez. On va continuer, vous allez voir un petit peu petit à petit, non? Sandra, bonsoir. Une surdétermination par notre situation de mortel, Marie-Thérèse. Non, c'est notre situation de mortel qui, chez l'adulte, est plus importante que notre futur. C'est-à-dire que le fait que nous soyons tous différents, le fait que nous soyons des êtres qui sont la production d'une rencontre entre un homme et une femme, hein, qui sont le résultat d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, et qui va être déterminée donc par sa mortalité. Non, c'est ça qui va être un apprentissage pour le sujet, c'est-à-dire apprendre à vivre comme un mortel et non pas à vivre comme un immortel. Donc, parce qu'on va voir que quand ce désir cherche à avoir accès à la conscience, en fait, il y a un processus psychique qui va s'y opposer, qui va s'y opposer et qui va maintenir, en fait, ce désir, qui va le maintenir dans l'inconscient. Hein. Mais ça va lui donner donc, à partir de là, la possibilité de produire des symptômes comme formation substitutive. Rien de prédéterminé, non, Sandra. Surdéterminé, oui. Bonsoir, Jean-Loup. Non, c'est-à-dire que oui, nous sommes surdéterminés. Nous ne sommes pas des êtres libres, nous sommes des êtres surdéterminés et nous avons donc une articulation, un appareil psychique qui est surdéterminé par notre manière d'être positionné face à nos désirs. Le symptôme a-t-il donc toujours à voir avec son rapport avec sa propre mort? D'une certaine façon, oui, Daniel, toujours. D'accord? Mais disons qu'on ne va pas interpréter le symptôme toujours comme ça, parce qu'on va voir que dans la production du symptôme, il y a de nombreux mécanismes qui sont en jeu. Donc il y a d'abord ce mécanisme de la répression. Non, c'est-à-dire que cette opposition, Nasser, bonsoir, cette opposition qui va, cette violente opposition qui va se faire à la réalisation de ce désir, eh ben, c'est ce qu'on va appeler la répression. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi qu'il y a lieu. Donc la répression, c'est un mécanisme inconscient. Donc nous voyons les effets de cette répression, par exemple, dans le travail analytique. Dans le travail analytique, il va y avoir ce qu'on appelle les résistances. Donc les résistances sont des effets du mécanisme de répression inconscient. Et la résistance, hein, ce sont des choses qui sont conscientes, qui apparaissent dans la conscience. Donc, Fifi, bonsoir. Simona, bonsoir. Et donc, la répression, c'est un mécanisme qui va intervenir obligatoirement dans la formation des symptômes. Non, c'est une condition obligatoire. Et donc, je répète que le symptôme est un substitutif de quelque chose que, en fait, la répression empêche la réalisation de se manifester dans la conscience. Donc, en fait, le symptôme, on va voir, peut-être penser du côté de la castration. La répression peut être pensée du côté de la castration. Donc, dans quel sens? Nawel, bonsoir. Donc on va voir que le symptôme est donc une réalisation de désir. Enfin, c'est une réalisation déguisée de désir. Parce que le désir devrait être une chose, et en fait, dans la conscience, et en fait, comme ce désir est réprimé, bah, à la place surgit un symptôme, et donc un symptôme qui est déguisé, mais il y a quand même satisfaction du désir. Donc on va voir, on va continuer pour voir
C'est-à-dire que les symptômes névrotiques ou névrosés, les symptômes névrosés obéissent à cette tendance de chercher la satisfaction au désir. Donc il y a satisfaction de désir dans les symptômes. C'est pour ça que c'est très difficile, c'est très difficile qu'il faut un travail pour éliminer les symptômes, qu'on ne peut pas éliminer les symptômes comme ça, puisque il y a justement satisfaction au niveau pulsionnel dans l'appareil. Et puisqu'il y a l'intervention, donc comme on disait, des mêmes mécanismes que ceux qui vont produire le rêve, qui sont la condensation, le déplacement, et qui vont participer à la production de symptômes. Et donc il y a une sorte de négociation, effectivement, Sylvie, il y a une sorte de négociation pour permettre donc cette manifestation. Donc le déplacement sur le psychanalyste est-il un symptôme? Puis on essaie de réaliser un désir, mais sur une autre personne. Donc ce n'est pas un symptôme. Donc il y a des fantasmes sur le psychanalyste, parce qu'on l'a là devant. Il peut y avoir donc effectivement des déplacements, mais ce n'est pas considéré comme un symptôme. Sinon quelque chose à prendre en compte dans l'analyse, en sachant tout comme la répression existe, le transfert existe, il y a des choses où on doit savoir que bon, ils font partie du travail analytique. Donc il ne s'agit pas de chercher à les éliminer, sinon de les prendre en considération, de savoir qu'ils existent. Donc les symptômes, en fait, ils tendent à la satisfaction sexuelle du sujet névrosé quand le sujet ne se le permet pas dans la vie réelle. D'accord, donc on va parler d'une satisfaction sexuelle. On rappelle que quand on parle de sexualité en psychanalyse, on ne s'arrête pas simplement à la génitalité, sinon que la sexualité, ça peut être n'importe quel autre type de satisfaction. C'est-à-dire que quand il y a une tendance qui veut se satisfaire, qu'on va appeler sexuelle, puisque c'est quelque chose d'humain, non? Et que le sujet, parce qu'on va voir que c'est le sujet lui-même, donc qui va réprimer, qui va pas se permettre de vivre dans la vie réelle cette satisfaction. Donc il va y avoir répression et donc production de ce symptôme. Et donc le névrosé, ben, il se retrouve, il va vivre, il va souffrir une frustration, non? Puisque en fait la réalité va lui refuser la satisfaction de ses désirs inconscients. Et il va donc avoir recours à une déformation, à une nouvelle formation pour les voir réaliser sous l'aspect d'un symptôme. Et en fait, Freud va nous dire que un névrosé, il va utiliser donc ce système, non, cette maladie, cette production de symptômes. Il dit comme anciennement, en fait, il y avait certaines personnes qui rentraient dans des couvents parce que pour eux, la vie était trop difficile. Donc, vous voyez que c'est plus en relation avec l'avenir, avec la vie à vivre, avec le présent, que avec le passé. C'est-à-dire que face aux réalités de la vie, le sujet, non, à cette époque-là, donc il s'enfermait dans un couvent pour retrouver donc une structure familiale qui allait s'occuper de lui, alors que, et dans le cas, du patient qui va produire donc un symptôme pour ne pas réaliser certaines choses dans la réalité. Je comprends rien, Corinne. Ben voilà, ça c'est un début. C'est-à-dire que, par exemple, on va voir un cas assez succinct. Donc, par exemple, on peut voir une patiente qui fantasmait tout le temps et qui avait peur, qui avait une sorte de phobie et qui pensait que on allait la violer. Et donc, elle était toujours persécutée partout. Elle pensait que, donc, elle s'enfermait chez elle. Donc, elle avait plein d'obstacles, des difficultés pour être en relation, donc, avec les hommes, par exemple, etc. Et donc, parce qu'elle considérait qu'on allait la violer. Donc, elle avait ce fantasme tout le temps. Et qu'est-ce qui se cachait derrière, donc, cette manifestation? Ben, c'est quand la patiente a pu arriver elle-même à cette phrase, enfin elle-même dans le travail analytique, a pu arriver à la phrase qui cachait le fantasme du viol, c'est qu'en fait, elle disait qu'elle voulait être possédée. Donc elle voulait simplement avoir une relation sexuelle qu'elle n'était pas capable elle-même d'accepter.
Donc, par exemple, Nawal demande si le cas de cervicalgie peuvent être dus, c'est quoi, des cervicales? Bah, oui, je dirais que oui, non? C'est une possibilité. Peuvent être dus à ça. Mais, dans tous les cas, non, on ne sait pas. C'est-à-dire que dans tous les cas, on doit écouter le patient pour savoir ce qui se cache derrière la formation des symptômes. Comme il s'agit de résultats, donc d'une, parce que ça ne s'arrête pas là, ce serait simple s'il s'agissait simplement d'une transformation entre je ne réalise pas mon désir dans la réalité, mais à la place je fais le symptôme, mais les mécanismes qui vont intervenir sont plus complexes. Parce qu'en fait, c'est donc une transaction entre l'instance conscience et l'instance inconsciente, non? Et qui vont produire donc le cas de cette patiente. Ne peut-il pas être plutôt un révélé traumatisme sexuel subi plus jeune? Non, c'est un désir du présent. C'est un désir du présent, non? Aller chercher dans le passé, ça c'est penser que le passé détermine le sujet. C'est pour ça que ça va être quelque chose qui est très important, parce qu'on va voir, d'ailleurs c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, que c'est très important comment le spécialiste qui va vous écouter, comment il vous écoute. Parce que s'il pense que tout vient du passé, ben il va vous orienter d'une manière ou d'une autre. Alors que s'il pense que tout vient du futur, ben il y a la possibilité de le changer. Parce que le passé, on ne peut pas le changer. Si l'on a mis le doigt sur le problème du symptôme et que celui-ci continue, est-ce que cela signifie que l'on se trompe? Qu'est-ce que ça veut dire mettre le doigt? Non? Qu'est-ce que ça veut dire mettre le doigt sur un symptôme? Se rendre compte que le symptôme existe. Non? Donc on peut se rendre compte que le symptôme existe, mais on va voir, parce que la psychanalyse, justement, elle nous montre qu'il s'agit d'écouter les choses d'une façon bien différente de ce qu'on a l'habitude, on va dire, de faire dans notre vie quotidienne ou dans certaines consultations, on va dire. Parce qu'en fait, on voit que, mais dans quelque part, on porte notre passé en nous et histoire de notre famille. Bonsoir, Plume. Et pas obligatoirement, Céline. Pas obligatoirement. Pourquoi vous pensez que vous portez votre passé? Le passé, il est passé. C'est fini. Il n'y a plus de raison d'être. Si vous le maintenez, votre passé, ça, on va dire, pourquoi vous maintenez votre passé dans votre présent? À quoi ça sert? Non, par exemple, bonsoir Geneviève. Donc, on va voir que dans la production d'un symptôme, donc non seulement il y a la réalisation d'un désir déguisé, non, irreconnaissable, mais en plus, dans le symptôme, et c'est pour ça qu'il est désagréable, ou même qu'il fait mal, ou qu'il fait souffrir, parce qu'il y a en même temps la tendance à préserver le sujet contre cette réalisation. Non, c'est-à-dire. Venir suppose, parce que ça vient, pourquoi vous dites venir? J'utilise beaucoup le verbe venir, peut-être. Donc d'un côté, il y a le symptôme qui, je répète, qui est la manifestation d'une réalisation de désir déguisé, et d'un autre côté, dans le symptôme, il y a aussi se préserver, c'est-à-dire que c'est lutter contre le désir. Non, contre la réalisation. Donc en fait, dans le symptôme, il y a les deux manifestations qui peuvent paraître contradictoires, mais qui vivent dans le symptôme. C'est-à-dire la réalisation du désir et une force qui s'oppose, une tendance à préserver le sujet contre cette réalisation. Parce que si le symptôme est la réalisation d'un désir réprimé, c'est quand même la réalisation de ce désir. Déguisé, mais je le réalise quand même. Donc c'est pour ça que dans le symptôme, il y a une tendance qui dit, et donc il y a un autre élément, c'est pour ça que c'est si complexe le symptôme, parce qu'il y a un autre élément qui, en fait, comme une sorte de punition, le symptôme c'est aussi une sorte de punition parce qu'en fait, il a réalisé le désir. Le fruit de l'éducation. Non, Daniel, la répression, c'est un mécanisme psychique de notre appareil qui a lieu, fibromyalgie aussi.
Oui, c'est considéré aussi, Fanny. D'accord? Quand on parle de répression, on ne parle pas de la répression de l'éducation, ça c'est la répression. Bonsoir Diaz, c'est la répression qui a lieu dans notre société, d'accord? Qui révèle un petit peu notre répression psychique, effectivement. Mais disons que ce sont deux choses différentes, non? Nous vivons dans un monde déprimé, déprimé aussi, mais réprimé parce que nous réprimons beaucoup. Parce que nous utilisons beaucoup ce mécanisme, non? C'est-à-dire que nous avons des difficultés à réaliser nos désirs dans la réalité. Donc, c'est-à-dire que le symptôme exprime en même temps ce qui a été réprimé et ce qui a constitué la cause de cette répression. D'accord? Donc, il y a les deux choses. Et pourtant, pour Freud, la finalité d'une psychanalyse est de lever l'amnésie infantile, donc retour au passé quand même. Non, la finalité d'une psychanalyse pour Freud, c'est résoudre sa position face au complexe d'Œdipe. Et ce n'est pas un retour au passé, parce que le complexe d'Œdipe, c'est quelque chose qui existe dans notre présence, pas quelque chose du passé. Parce que si c'était quelque chose du passé, bah ça y est, c'est fini, c'est bon. Mais non, c'est toujours là. C'est-à-dire qu'en psychanalyse, ce que Freud il a découvert, c'est que justement, notre position face au complexe d'Œdipe, parce que qu'est-ce qui était réprimé? Le complexe d'Œdipe. Donc, quand on dit réprimer, ça veut dire qu'il est devenu inconscient. Inconscient, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais plus accès à ce matériel. Donc, simplement, on va avoir accès à ce matériel. D'une certaine façon, on va produire ce matériel dans le préconscient, dans la conscience, par l'interprétation. Mais ce sera des touches, on va dire. Donc, ce n'est pas un retour au passé, c'est quand le passé, il est présent. C'est-à-dire que quand la femme qui a 35 ans, qui en a 40, qui est toujours amoureuse de son papa, ça, c'est un complexe d'Œdipe présent, donc il ne s'agit pas d'aller voir dans le passé, vous voyez, elle est toujours amoureuse de son papa. Par exemple, l'idée du moi a-t-il un lien avec la répression? Donc on va voir, Stéphanie, comment le moi, donc c'est celui qui réprime, le moi, c'est celui qui va intervenir dans la fabrication donc de ces symptômes. Et donc, ce n'est pas considéré comme une contradiction, non? Le fait que entre la satisfaction et la défense du désir, puisque les deux choses sont dans la production du symptôme. Donc, on va voir que, par exemple, Valérie, bonsoir, Nadine, bonsoir. Donc, on va voir que il y a, par exemple, dans le symptôme hystérique. Il y a, on va voir qu'il y a, l'inconscient est impensable. Me concernant, l'anxiété se manifeste. Donc, on va voir que ce qui s'oppose, non, à la satisfaction de ses désirs inconscients, c'est ce qu'on va appeler, la pulsion du moi. Les pulsions du moi qui vont s'opposer, c'est le moi qui va s'opposer à la satisfaction du désir. Et en réprimant, en fait, le moi, il se défend du danger. Parce que pourquoi il va réprimer? Parce que pour le sujet, c'est considéré comme un danger. D'accord? Donc c'est considéré comme un danger. Donc c'est pour ça que le travail analytique, c'est pour montrer que ce que le moi considère comme un danger, ben, ce n'est pas vraiment un danger. Non? C'est comme une sorte quand on a peur, quand on a certaines phobies qui, dans la réalité, le phobie qui sait très bien qu'il n'y a pas de risque avec telle chose, ou qu'il a peur des chats, alors qu'il sait très bien que les chats ne vont rien lui faire, mais pourtant il ne peut pas éviter. C'était quelque chose, non? Et on pourrait penser que c'est quelque chose, donc un danger dans le même ordre. Mais c'est un danger pour le sujet. Pourquoi? Parce que c'est en relation avec le complexe d'Œdipe. C'est-à-dire que c'est considéré comme un danger. C'est-à-dire pourquoi? Parce que ça a été réprimé, ça a été interdit. D'accord? C'est-à-dire que les désirs sexuels infantiles réprimés sont interdits. Donc quand le sujet, il voit qu'il y en a un qui est, ou qu'il croit qu'il y en a un qui va se réaliser, parce que très souvent, il confond, non? C'est-à-dire qu'il croit que il croit que la femme qu'il aime, comme elle ressemble beaucoup à sa mère, c'est peut-être sa mère, et donc du coup, il devient impuissant. Mais non, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est le sujet, vous voyez, donc il se défend quand il n'y a pas de danger.
Le danger de quoi? De réaliser le désir sexuel infantile réprimé. Le symptôme est un acte de contradiction qui se manifeste comme expliqué, oui, désir et ne pas réaliser le désir. Ben, le moi trouve donc dans le symptôme un compromis entre le ça et le surmoi qui s'opposent. Donc, on va dire que moi ici, j'ai pas mélangé le ça et le surmoi. Non, parce qu'à chaque fois, on sait que c'est le moi qui va devoir apprendre donc à gérer non, effectivement les différentes exigences de tout le monde. C'est-à-dire que le ça a des exigences, le surmoi en a d'autres, et le moi, donc il doit être assez fort pour pouvoir gérer ces deux exigences qui, en général, peuvent être contraires. Mais là, on ne va pas rentrer dans ce monde-là, sinon qu'on va s'intéresser principalement à ces mécanismes de formation du symptôme. Donc on disait que le moi, quand il réprime, il se défend d'un danger qu'il suppose pour lui-même, donc pour le sujet, à la réalisation de ses désirs. Donc en fait, la névrose, non? La névrose, Nina, bonsoir. Donc la névrose, en fait, c'est quand il y a un conflit qui peut surgir entre ce désir, entre la production de ce désir et le moi. Hein? Donc c'est pour ça que Freud, il a appelé ces névroses des névroses de défense. Mais en fait, elles se défendent contre quelque chose qui, en général, ne sont pas dangereuses pour le sujet. Hein? Mais c'est parce que c'est l'attitude du moi, non, que le moi, en fait, il se défend face à un désir qu'il considère intolérable. De prendre en soi les personne au comportement hystériforme, doit-on se concentrer sur le symptôme physique ou mettre la licence, la plainte physique? On doit écouter, Fanny. Il faut laisser passer, parler les gens et on doit les écouter. Ça, c'est la première chose. Après, il faut être formé pour apprendre à les écouter. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de les aider à penser, sinon qu'il faut les aider à parler. Donc, parce que Freud, il nous a dit que si le danger vient de l'extérieur, il existe pour le sujet la possibilité de fuite, de qu'il peut s'échapper au danger quand le danger vient de l'extérieur. Par contre, quand le danger vient de l'intérieur, c'est-à-dire de l'appareil, c'est très complexe, Vanille. Donc, quand le danger vient de l'appareil psychique, ici, donc il n'y a pas de possibilité de fuite. Le moi, il ne peut pas fuir de chez lui, parce qu'en fait, il est chez lui, il y a le danger qui est chez lui, non? Donc, comme c'est la fuite est inefficace, qu'il ne peut pas fuir, et la répression va être le mécanisme qui va être utilisé donc pour se protéger, se défendre de ce désir. Donc, quand on parlait des résistances, donc les résistances, c'est ce qu'on va voir dans la conscience, c'est donc le produit de ces forces et des qualités du moi. C'est-à-dire, c'est le moi qui a la force, non, de la répression, c'est le moi qui va utiliser, non, ce mécanisme. Rose Rouge, bonsoir. Lia, bonsoir. Qui va déterminer, non, qui va contribuer donc à la produire. Mais que ce n'est pas seulement ça. Parce qu'on ne va pas limiter le travail au moi qui se défend et qui va réprimer pour se défendre de ce désir qu'il considère comme dangereux, sinon qu'il va être indispensable de prendre en compte, et ça c'est très important, que dans l'appareil, il y a déjà du matériel réprimé. Et que ce matériel réprimé, il exerce en fait une force comme une sorte d'aimant, non? D'aimant pour essayer d'attirer des éléments qui sont en contact direct avec. Et donc, c'est pour ça que pour le sujet, il va considérer dangereux des choses qui ne sont pas dangereuses. Mais pourquoi? Parce que ils vont être considérés. Non, parce que c'est en relation avec le complexe d'Œdipe. Mais en fait, le mécanisme de la répression, ce n'est pas un mécanisme qui a eu lieu au départ avec la formation de l'appareil, sinon que la répression, pour maintenir le matériel réprimé, il doit continuer à réprimer. Donc, cette constance, ça, c'est une énergie constante de l'appareil qui continue à maintenir. Donc, au plus on réprime, on va dire au plus on est fatigué. Dans le sens où, bon, c'est une exagération, mais dans le sens où c'est un mécanisme qu'on fait pour continuer à maintenir réprimé ce qui est réprimé.
mais qu'il y a à partir de ce matériel qui est réprimé veut toujours en avoir plus. Et donc il va attirer en fait tout ce qui est en contact associatif avec les contenus du préconscient pour le ramener comme matériel réprimé. Donc c'est pour ça qu'on a la force, non? Qu'on a des différents mécanismes qui vont rentrer en jeu. Donc la tendance à la répression, elle n'arriverait pas à son but avec simplement le moi s'il n'y avait pas de l'intérieur de la répression d'autres forces qui agissent pour attirer donc à ce qui a été primitivement réprimé. Donc, et qui est prêt à le recevoir dans sa maison du réprimé, on va dire, non? Donc, et donc, ce qui va se passer, c'est que cette libido qui ne va pas pouvoir, donc, dans le mécanisme de la production du symptôme, comment le symptôme va se fabriquer? En fait, cette libido, donc, qui n'a pas la possibilité de se satisfaire comme elle aimerait le faire, donc comment elle va faire? Elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas s'exprimer. Donc, en fait, il va y avoir une attirance analogique, oui, un truc comme ça. Mais c'est quand même subjectif, Farouk. Je ne sais pas ce qui est subjectif. Daniel réprime et déprime. Mais cela demande de l'effort et de l'énergie, en fait. Et c'est du travail continu, la répression, exactement. Oui, c'est difficile à comprendre, Kiki. Mais on y va petit à petit. Il ne s'agit pas de comprendre tout d'un coup, sinon d'avoir une première approche et puis petit à petit, on va, hein, commencer à élaborer. Désolée Clémence, mais ça n'est pas très clair pour moi. Donc, la libido, comme elle ne peut pas s'exprimer dans la conscience directement, ce qu'elle fait, donc elle va réprimer. Et en fait, quand elle réprime, qu'est-ce qu'elle fait? Elle régresse. Et c'est là où le passé apparaît. Parce que comme il n'y a pas la possibilité, non, de la satisfaction dans la conscience, parce que le sujet ne se le permet pas, parce que sa morale ne se le permet pas, attention, ce n'est pas à cause du passé, c'est parce que ma morale ne me permet pas de satisfaire certaines. En plus, très souvent, il s'agit simplement de phrases, d'être capable de dire que on déteste un tel, qu'on déteste l'autre, que celui-là, non, que je veux dire qu'il y a des sentiments que le sujet ne supporte pas de lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il les réprime. Il n'est même pas conscient qu'il réprime certains sentiments. Et que le fait de pouvoir les exprimer, c'est une manière de les réaliser. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus d'aller réaliser tous les désirs dans la réalité, mais de au moins pouvoir en parler. Et comme il s'agit de désirs inconscients, ben, il faut faire le travail du parler et l'écoute du psychanalyste qui va aider avec l'interprétation à interpréter d'une certaine façon donc il y a répression et ensuite il y a régression, effectivement, Stéphanie, au point de fixation. Et donc, quand ça régresse au point de fixation, donc aux organisations du développement sexuel du sujet, donc qui est passé par une étape orale, qui est passé par une étape anale, qui est passé par une étape phallique, qui est passé par la... Non, pour arriver à l'étape génitale. Et donc, il dit que... Donc, et c'est dans chaque étape, donc il y a des points érogènes et en plus, il y a des objets. Parce que dans chaque étape, il y a eu un objet qui correspondait à l'étape. Un objet, non, on va dire dans l'étape orale, c'était le sein de la mère qui était l'objet qui participait, on va dire, à la satisfaction. Donc, il y a une régression et selon la position du sujet, donc il va régresser, non, à une étape ou à une autre étape, c'est-à-dire là où il y a eu une fixation. Et quand est-ce qu'il y a eu une fixation? Donc, ce n'est pas là où on a justement, on a tendance à penser là où on a beaucoup souffert, sinon que c'est au contraire. Comme on cherche une satisfaction, on va retourner. Ne c'est pas une remémoration, non? Ce n'est pas une remémoration, Marie-Thérèse. C'est une régression. C'est un mécanisme psychique. C'est-à-dire qu'on va le voir quand on va étudier le symptôme dans la conscience, et on sait que quand il y a symptôme, il y a eu régression. D'accord? Et il y a régression. Ou quand est-ce qu'il y a eu le point de fixation? Quand il y a eu une grande jouissance. Parce que dans l'étape orale, pour l'enfant, il y a des points de grande jouissance. Dans l'étape anale, là où il y a eu beaucoup de plaisir. Exactement. C'est-à-dire que c'est là, puisque ce qu'il cherche, c'est la satisfaction. Mais quel type de satisfaction? Une satisfaction infantile.
Donc il ne retourne pas là où il y a eu mal, au contraire, il va retourner là où il y avait satisfaction. C'est pour ça qu'on va voir que dans le symptôme, en fait, il y a une satisfaction, mais une satisfaction infantile. Hein? Donc, le symptôme reproduit donc la satisfaction infantile libidineuse, mais déformée par la censure. Donc, on ne le voit pas directement. Non, c'est pas qu'il, non, on ne le revoit pas directement. Mais, encore que dans certains cas, on peut le voir. Non, pas de lien, la répression est psychanalytique et la dépression, c'est une entité clinique. Donc, la répression, c'est un mécanisme de l'appareil psychique, tout comme la régression. D'accord? Ce sont donc deux mécanismes qui vont intervenir, qui sont des mécanismes inconscients, qui vont intervenir dans la protection, dans la protection du sujet pour ne pas réaliser ses désirs qu'il considère trop incestueux. Alors des fois, ils sont vraiment incestueux, et des fois, ils n'ont rien à voir avec l'inceste. Enfin, je veux dire que l'inceste ou le complexe d'Œdipe, pour ne pas parler de l'inceste, sinon que le complexe d'Œdipe, il va nous accompagner toute notre vie. Non, ce n'est pas quelque chose... Nadia, un exemple. Oui, mais ça, c'est... Je n'ai pas ramené d'exemple, je crois. On va voir. Est-ce que certaines répressions peuvent trouver leur fondement dans des vies karmiques? Nadine demande. Ben ça dépend de chaque. Parce que c'est vrai que dans. Il faut savoir que dans le sujet, c'est d'une certaine façon. Il y a toute l'histoire de l'humanité dans le sujet. Donc, je ne parlerai pas de karmique, mais il y a des répressions, non? Ou des régressions, donc qui vont avoir lieu sur ces points de fixation du développement infantile. Mais après, il y a d'autres choses, le surmoi. Freud, il nous explique que le surmoi, c'est quelque chose qui. C'est pour ça qu'on peut parler, des fois, on peut croire qu'il y a quelque chose d'héréditaire, dans le sens où le surmoi, ce sont les surmois de nos ancêtres. C'est-à-dire qu'il y a une constitution historique dans l'appareil psychique. Ce n'est pas quelque chose qui vient de notre papa, notre maman et nous. Non, sinon que c'est quelque chose de bien plus social, on va dire. Bien plus social. Pas collectif, social, social. Donc, donc, on disait, le sujet qui est donc incapable, non, de mener à bien les modifications nécessaires dans la réalité, parce que très souvent, quand ce qu'on veut, des fantasmes, désirs inconscients, trop angoissants et insuffisamment réprimés par le surmoi, ne peuvent-ils pas entraîner autant de symptômes psychotiques que névrotiques? Donc, le surmoi ne réprime pas, non? Celui qui réprime, c'est le moi, on a vu, Stéphanie. D'accord? C'est le moi. Et ensuite, dans la répression, ça peut entraîner. Donc, le psychotique, non, il abandonne tout contact avec la réalité. Le névrotique, il va se fabriquer, il va fantasmer, non? Mais on va dire que dans la névrose, il y a un objet. C'est-à-dire que les fantasmes du névrosé, il y a toujours un objet qui participe, non? Donc on disait que c'est pour ça que c'est quelque chose qui appartient au présent, c'est-à-dire qu'il y a un désir, que le sujet se sent, l'entité sociale au sens général a un poids sur la surdétermination du sujet. Oui, Sylvia, oui, non? C'est-à-dire qu'il y a, nous avons une surdétermination psychique, une surdétermination sociale, et en plus, nous vivons dans des sociétés qui ont établi des modèles idéologiques. Non? Qui nous disent comment nous devons aimer, comment nous devons travailler, comment nous devons nous reposer, comment nous... Et donc, nous sommes surdéterminés. En fait, nous sommes des appareils qui sont préparés pour vivre une certaine vie. Et comme on voit le résultat, ben, ce n'est pas vraiment des vies pour nous rendre heureux. Donc, c'est pour ça qu'on doit utiliser des instruments scientifiques, c'est-à-dire que la psychanalyse, c'est une production scientifique. Tout comme on va utiliser des lunettes pour mieux voir, ben, on va utiliser l'instrument psychanalytique pour apprendre justement à se libérer et à modifier la surdétermination. Parce que avec la psychanalyse, on peut modifier la surdétermination psychique. Et en modifiant la surdétermination psychique, bien sûr, on donne la possibilité au sujet de faire quoi? Ben, d'arriver à avoir accès à la réalité. Parce qu'en fait, son énergie, elle reste en lui. Avec le symptôme, il y a une satisfaction. Mais une satisfaction qui reste en lui, il n'y a pas d'interaction dans le social.
Bon, il y a certains symptômes. Quand on tombe malade, ben, on va à l'hôpital et alors il y a tout un impact social. Non, on apporte notre symptôme dans la société. Donc, il y a un impact aussi social. Alors que ce qui devrait être fait, c'est le travail du sujet pour modifier ou faire les modifications, faire un travail dans la réalité pour pouvoir modifier et avoir accès à la réalisation de ses désirs et ne pas être obligé de passer par la fabrication d'un symptôme pour pouvoir satisfaire ses désirs. Parce que quand il y a un symptôme, bah, c'est tout, il y a plus de réalité sociale, non? Donc, mais il y a une autre chose donc, qui va rentrer en jeu, c'est que donc il y a d'un côté le symptôme qui procure donc une satisfaction infantile, très souvent auto-érotique, une satisfaction auto-érotique. Et donc c'est pour ça que comme il y a satisfaction, qu'il y a une satisfaction infantile, qu'il y a une satisfaction à ses premiers points de jouissance, notre premier apprentissage, là où nous avons appris à jouir du plaisir de la bouche, là où nous avons appris à fabriquer notre bouche et tout l'érogénéisation de la bouche, par exemple, non? Donc, où on va fumer, fumer, fumer. Donc, pareil, donc, la cigarette, on va dire que c'est une satisfaction, non? C'est une satisfaction infantile, auto-érotique, comme si je prenais mon pouce. Donc, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui me prépare le tabac, la cigarette, le briquet, etc., pour pouvoir fumer, alors que quand j'étais petit, hein, avec mon pouce, je me débrouillais très bien. Non, c'est pour ça qu'on va dire que c'est auto-érotique. Nous, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Il y a des chocs traumatiques et psychiques tels que la guerre, l'accident, le Covid. Il est préférable de travailler sur nous toute notre vie, ce que je fais depuis 40 ans. Exactement. Donc il y a l'essentiel de travailler tout le temps parce que en fait, ce que nous devons réussir à obtenir, c'est que notre libido soit comme une sorte de muscle toujours flexible pour pouvoir s'adapter à toutes les circonstances. Et quand je dis s'adapter, ce n'est pas le mot correct, sinon de pouvoir trouver une satisfaction dans toutes les circonstances et qu'il ne doit pas avoir recours aux symptômes. C'est-à-dire que, c'est pour ça, donc, ce que je voulais souligner, c'est que la psychanalyse, et je vais montrer un petit peu, parce que, donc il y a... Donc, parce que une fois qu'on a le symptôme, ce qui se passe, c'est que le moi ne peut plus avoir accès à ce symptôme. Il n'a plus de pouvoir sur cette nouvelle organisation. Et donc, et ça continue à vivre sans que lui, il puisse intervenir. Et ce qu'on voit, c'est que ce symptôme, quand on s'en occupe pas, quand on ne le traite pas, qu'on ne traite pas l'appareil, parce que ce qu'on va voir, c'est que la psychanalyse, elle ne s'occupe pas exactement du symptôme, elle s'occupe de l'appareil qui va produire le symptôme, pour que justement, ce ne soient plus les mêmes mécanismes qui rentrent en jeu à chaque fois que le sujet se retrouve avec un désir ou qu'il considère comme dangereux à réaliser. Donc, il pense qu'il y a quelque chose, que diriez-vous, des manifestations de la personne obsessionnelle? Ben voilà, c'est la même chose, non? Et des douleurs à divers endroits sur le corps, à quel stade le patient pourrait être susceptible de régresser? À un auto-érotisme, Bibi. Non? C'est-à-dire que ça, c'est les douleurs du corps, très souvent, c'est de l'auto-érotisme. Et pour trouver des satisfactions, c'est accepter. Alors, René revient avec la castration, là où les castrations. Mais c'est pas la castration, c'est aussi un mécanisme, non, qui s'associe au complexe d'Œdipe, qui a eu lieu à ce moment, et que la castration. C'est que je ne suis pas complète. Je ne suis pas complète. Je fais des erreurs, je me trompe, je tombe malade. Ça fait partie de la vie des êtres humains. Donc, ne pas s'accepter comme castré, on va dire, parce que nous sommes tous castrés, ben, c'est vouloir être immortel. Et vouloir être immortel, ben, ça produit de nombreux symptômes. Hein? Donc, régresser de manière répétée un point de fixation qui donne de la jouissance, ça nous fait tomber malade. C'est la répétition, effectivement, Stéphanie. D'accord? Et ça, c'est ce que le sujet a tendance à faire. Donc, à toujours revenir au même point, parce que c'est là qu'il connaît. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il répète là où il connaît qu'il y a de la jouissance. Donc, on disait que une fois qu'il y a le symptôme, en fait, le moi ne peut plus. Il est hors de son accès. Il n'a plus accès à ce symptôme. Et donc.
Et donc, mais il va continuer à y avoir, donc, et après va s'établir ce qu'on va appeler le bénéfice secondaire de la maladie, le bénéfice secondaire du symptôme. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans l'appareil psychique, donc satisfaction, il y a satisfaction et en plus il y a punition pour avoir désiré ce qu'on a osé désirer. Donc il y a les deux choses. Et en plus, après, une fois que le symptôme s'est établi, il y a la satisfaction secondaire, le bénéfice secondaire de la maladie, c'est-à-dire alors là, c'est on rentre dans le préconscient, dans le conscient, c'est-à-dire que le sujet ne s'en rend pas toujours compte, mais enfin les gens qui entourent le malade, par exemple, ou les symptômes, on voit que ben, il y a des bénéfices secondaires, c'est-à-dire au niveau social, tout ce que non, il y a des gens qui vont ah non, j'ai eu mal à la tête, j'ai pas travaillé. Non, on dit utilisation non, du symptôme. Donc j'ai mal à la tête, j'arrête de travailler, j'utilise mon symptôme. Et quand je commence à utiliser mes symptômes pour avoir donc des bénéfices, bah là c'est aussi un risque. Non? Donc c'est un risque. Donc c'est interdit, Nina, parce que ce n'est pas votre maman. Et ce n'est pas votre maman. Et que si vous l'aimez tant, c'est parce que vous la considérez comme une maman. Et donc on va voir cette chose donc pour terminer qui est très intéressante au niveau de la psychanalyse, comment s'inscrit la culpabilité. La culpabilité, c'est pareil, non? C'est comme l'angoisse, c'est comme donc ce sont des choses qui font partie de la constitution, c'est comme le complexe d'Œdipe, comme le complexe de castration, ce sont des éléments qui font partie de nous et qui vont bah, les risques que ça empire qu'on l'utilise, Carole. Qu'on va utiliser cette méthode. On va utiliser cette méthode pour, à chaque fois que j'ai mal à la tête, j'arrête de travailler. Alors au début, c'est j'arrête de travailler, puis après, c'est j'arrête de bouger. Et puis après, je fais plus, non, je fais plus rien. Donc à chaque fois, c'est de pire en plus, de pire en pire, de pire en plus. Donc, et ce qu'il y a d'intéressant quand on parle de la psychanalyse, c'est que la psychanalyse, donc, Freud a étudié l'agrandir, pas seulement le répéter, l'agrandir. Parce que c'est comme avec le symptôme. Au début, le symptôme, donc, il réprime, mais comme la répression, ces éléments primitifs de la répression continuaient à attirer. Parce que quand le moi, il n'a plus accès donc à ce symptôme, à cette nouvelle articulation, bah, cette articulation, elle prend de plus en plus de place dans l'appareil. Pourquoi? Parce que le moi, il peut plus intervenir. Donc il y a des ramifications qui se font de plus en plus. Donc on va dire, je vais réprimer un élément de ma vie qui ne m'a pas plu, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas aimé. Non? Et je finis, au lieu de réprimer simplement ça, je finis par éliminer tout ce qui s'est passé pendant l'année. Donc, comme un exemple pour voir. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est que très souvent, ce qui se passe, c'est que du coup, on réprime tout ce qui est associé. Non? Tout ce qui est associé. Donc, ce n'est pas obligatoirement tout ce qui est associé pendant l'année, mais c'est tout ce qui est associé avec ce que j'ai réprimé au départ. Donc, pour revenir sur le sujet de la psychanalyse, c'est que la psychanalyse s'occupe pas exactement, non? Il y a des pratiques, on va dire, qui s'occupent de soulager les patients, donc d'éliminer leurs symptômes. Mais elle n'a pas modifié la machine qui produit ces symptômes. Alors que la psychanalyse, au lieu de s'occuper directement des symptômes ou des rêves, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'occuper de cette machine qui les produit, pour modifier cette surdétermination du sujet, pour qu'il n'ait plus besoin de trouver une satisfaction en fabriquant un symptôme. Parce qu'on peut, effectivement, des fois, on va faire un super voyage et puis il y a des symptômes qui vont disparaître, mais la machine qui produit le symptôme ne va pas disparaître. Donc ce symptôme-là a disparu et peu de temps après, je vais en produire un autre. D'accord? Puisque la machine, il y a certaines choses auxquelles elle peut pas, non? Que le sujet, le moi ne peut pas faire face à certaines choses. Donc, et le déplacement du symptôme dans la thérapie trop agressive ou trop rapide. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser le patient va à son rythme. Il faudrait pouvoir rediriger le désir en interprétant le symptôme. C'est pas rediriger le désir, c'est en acceptant que nous sommes des êtres de désir. Que nous sommes des êtres de désir, mais je crois, comme on avait vu un petit peu la fois dernière, c'est-à-dire que l'être humain, face à ses désirs, ben, il fait l'autruche. Il fait l'autruche, il veut rien savoir de ses désirs, il dit je m'en occuperai demain, je verrai ça demain. Et donc au lieu de se rendre compte, non, de ben, que non, qu'on ne peut pas laisser demain.
Et que c'est pareil, il y a des désirs où on ne peut pas. Il y a des gens qui ont envie de se psychanalyser, qui disent non, pas maintenant, là. Et alors, du coup, il y a des choses bizarres qui se passent dans leur vie, hein, parce qu'ils n'ont pas fait le pas de dire si je vais commencer, je désire me psychanalyser, je vais reconnaître que j'ai ce désir, je vais arrêter de réprimer. Réprimer ce désir-là. En disant non, non, moi, j'en ai pas besoin, ou non, non, je vais laisser ça pour plus tard, hein, par exemple. Hein. Donc, une chose qui est aussi, pour terminer, qui est très importante, c'est que notre manière de comprendre, de connaître et de comprendre les mécanismes de production des maladies nerveuses, non, ben, nous fait appliquer une certaine manière de les écouter, de vouloir les traiter, bien évidemment. Non? Et d'où, pourquoi occulter ses désirs? Oui, Céline, pourquoi occulter ses désirs? Donc, bah parce que le moi ne les tolère pas. Simplement, c'est le moi qui ne tolère pas nos désirs. Donc, nous avons des désirs où nous nous rendons compte que consciemment, nous savons qu'il y a des désirs où on fait l'autruche et on met la tête et on dit je ne veux pas m'en occuper. Et il y a d'autres désirs qui sont inconscients, qu'on ne sait même pas qu'ils existent. Exemple que j'invente, une personne adulte ne fait plus de vélo, affirme que c'est dangereux, alors qu'inconsciemment, enfant, elle a fait du vélo, pris du plaisir, mais plaisir similaire à celui. Parce que ça, c'est intéressant ce que dit Olivier, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui répriment la possibilité d'avoir du plaisir, qui ne se le permettent pas. Donc, son désir, c'est de pouvoir avoir certaines satisfactions, mais ils ne se le permettent pas. Alors, pour X raisons. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas retourner faire des choses qui nous donnent du plaisir parce que je ne me permets pas d'avoir du plaisir. Je ne me permets pas. Et parce que après, non, qu'il y a des difficultés. Regardez dans votre vie, non? Premièrement, les gens heureux, les gens qui arrivent à développer une vie avec des satisfactions, ben, ils ne sont pas bien vus. On voit plus oh, les pauvres petits, quand on voit des malades, les pauvres petits, ils ont beaucoup plus de. Alors qu'on devrait apprendre ou chercher à apprendre, de voir s'il y a des gens qui ont de la capacité de voir. J'ai vu là Edgar Morin qui est passé à la télévision française il n'y a pas longtemps, qui a une centaine d'années, et qui a encore tout un punch impressionnant et un enthousiasme encore pour la vie. C'est quelque chose qu'il faudrait mettre en première page de tous les journaux. Mais non, on le garde dans une petite émission à la télévision, cachée. Non? Donc, alors que c'est quelque chose qu'on devrait publiciter, qu'il y a des personnes qui arrivent dans ce monde dans lequel nous vivons, non? Et je ne sais pas, j'imagine qu'il s'est psychanalysé, ou ben, enfin peu importe, disons que dans le sens où lui, il a réussi en tout cas à trouver un chemin, non? Pour avoir une satisfaction et être content avec sa vie. Et des gens qui arrivent à 100 ans avec cet enthousiasme pour continuer, non? Parce que. Il faisait référence à ces années qu'il n'allait pas vivre et qu'il enviait. Il enviait, il a dit qu'il enviait. Enfin, il l'a dit, enfin, moi j'ai écouté, qu'il a dit qu'il enviait. Non, ces futures générations dans lesquelles lui, il n'allait pas pouvoir participer. Donc, je dis que c'est très important la manière, mais du coup, le surmoi, que fait-il? Le surmoi, il vous dit, quand il n'est pas bien géré, le surmoi, il nous dit d'aller. C'est une autre histoire, le surmoi, Carole. Je crois qu'on a fait une vidéo sur le surmoi. Bon, donc, je dis que la cure en psychanalyse, c'est la conception que nous allons transmettre sur le sujet psychique et la psychanalyse. Et la maladie, pardon. C'est-à-dire que notre manière de concevoir la maladie et notre appareil psychique, non, c'est un élément indispensable pour un bon développement d'une cure. Et que, donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas penser l'appareil psychique n'importe comment, comme on a envie, voilà, sinon qu'il y a des théories qui sont là pour nous aider à penser cet appareil psychique et nous devons nous soumettre, on va dire, à ces manières de penser qui pensent bien mieux que nous, parce que nous, justement, on doit un petit peu, d'une certaine façon, lutter, parce qu'on aurait tendance à pas vouloir accepter que, eh ben oui, il y a du plaisir, il y a une satisfaction dans la douleur. Pff, ça, c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter. Donc, s'il n'y a pas une théorie qui vient nous le rappeler régulièrement, ben, on a tendance à l'oublier. Hein? C'est pour ça. Donc, mais pour le
le sujet et une satisfaction dans le sens où il y a la punition. Non, la punition et la satisfaction, c'est la punition. C'est punition de quoi? Culpabilité de quoi? D'avoir désiré ce que le moi considérait qu'on ne devait pas désirer. Passer au travers nos difficultés nous aide à vivre mieux plus tard, nous renforce. Donc, ce qui va nous aider, non? Là, on peut le passer au travers, non, c'est faire face aux difficultés. Non, c'est faire face aux difficultés ou se rendre compte qu'une difficulté, ben, c'est pas si énorme. Non? Mais bon, pour ça, pour tout ça, ce sont des éléments. Le névrosé, c'est ça, quand on voit que le névrosé, pour une personne normale, il y a des choses qui vont se résoudre d'une façon habituelle. Pour le névrosé, c'est un monde, c'est un monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les instruments, non, pour faire face à la situation. Il n'a pas les instruments. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme pour lui, c'est un monde, donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rentre au couvent, hein, comme on disait auparavant, c'est-à-dire qu'il va, non, régresser et retourner dans l'enfance, là où il avait eu de grandes jouissances, et il va revenir à des jouissances infantiles. Donc voilà, bon, je suis très heureuse que ça vous ait plu, Martine. Donc voilà, donc une fois de plus, pour dire que la psychanalyse, c'est vraiment, et c'est le pourquoi aussi de ces vidéos tous les mardis soirs, dont du psychanalyse pour tous, pour diffuser ces informations. Parce que la psychanalyse a été assez maltraitée en pensant que c'était, mais non, que c'est un instrument qui permet on va dire, de mobiliser notre appareil, les forces qui agissent dans notre appareil psychique. Parce qu'en fait, dans notre appareil psychique, il n'y a rien de cassé. Il n'y a rien de cassé. Non, que tous les instruments fonctionnent, tous les mécanismes fonctionnent très bien, parce que régresser, nous allons régresser dans notre vie quotidienne, nous allons réprimer dans notre vie quotidienne. Tous ces mécanismes, non, participent dans notre vie quotidienne. Mais quand il y a une exagération de la répression, quand il y a une exagération de la régression, c'est là où c'est. Merci à vous, Daniel, Sylvie, Alexandra. Donc, vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux donc cette vidéo. Et on continue mardi prochain. Mardi prochain, 3 mai, nous passons au mois de mai. Bonsoir Marie-Laure, je ne vous avais pas vu. Donc, très intéressant. Enfin, nous avons réussi à intéresser Jean-Loup. Super, Vanille, intéressant, mais compliqué. Mais il ne faut pas chercher à intégrer Vanille. Simplement en disant intéressant. Avec intéressant, c'est suffisant. Nadine, donnerez-vous une réponse aux questions qui ont défilé trop vite? Peut-être pas. Viviane, merci à vous. Jackie, Sonia, Roselyse, merci. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un cours, non? Je le répète encore une fois, il ne s'agit pas d'un cours, il s'agit d'une diffusion. Donc, de toute façon, cette vidéo peut être revue, ça oui, elle existe. Il y a aussi un canal YouTube donc, qui s'appelle Clémence Lonis, psychanalyste, où vous avez toutes les vidéos. Que nous avons fait donc depuis plusieurs années, que nous nous retrouvons ici. Donc juste avant le confinement, je crois que j'avais commencé, juste avant le confinement, j'avais commencé ces rencontres en psychanalyse pour tous, complexes mais intéressantes. Voilà, exactement. En plus, c'est complexe dans le sens où ça ne va jamais arrêter d'être complexe. Hein? Sinon que c'est nous qui devons étudier pour que cette complexité, pour nous familiariser à cette. Merci à vous Isabelle, pour nous familiariser à cette complexité. En fait. Hein? Donc, merci à vous. Partagez sur vos réseaux. Vous pouvez donc dire que vous aimez cette page pour que nous soyons plus nombreux. C'est important. Au plus nous sommes nombreux, comme on dit donc au Grupo Cello, on dit au plus nous sommes nombreux, au plus nous pouvons être meilleurs. Merci à vous, Florence, Daniel. Donc, vous trouvez les adresses de psychanalystes formés et fiables. Bah, vous pouvez compter sur moi. Par exemple, bonne continuation, bonne fin de journée et à mardi prochain. Au revoir.